Yo mes chers mon Garcou, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi un nouveau let's play sur Red Dead Redemption pour l'épisode 3 de la série. Oh et bah super, ça commence fort. Voilà, je fais mon intro et puis... Faut que cette foutue manette se déconnecte. Voilà. Donc voilà, nous sommes sur l'épisode 3. Red Dead Redemption. Sauver le chasseur de trésors. Ah tiens. Bah tiens, bah à peine je commence, à peine je dois sauver quelqu'un. Ok. Ah ouais. Allez tiens, tu vois, tu dégages. Vous avez pas vu. Et voilà, double headshot. Merde, putain, j'ai du mal à m'intégrer. Pourtant, c'est les mêmes touches que GTA. J'ai un petit peu du mal à m'intégrer. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. I can use. Bah ouais, je vais pas les laisser en galère, les pauvres. Attends. Ils peuvent rien faire. Ils sont inoffensifs. Ils ont pas d'armes. C'est sûr qu'ils aiment pas les armes. Ils aiment pas les armes à feu. Putain, ça y est, je vais y arriver là. Allez, on est parti. Allez. Grosse pointe de vitesse du cheval. Par contre, faut pas que je... Que j'appuie trop sur A parce que sinon il va se fatiguer et je risquerai de tomber si je dis pas de conneries. Je fais ça. On peut jouer maintenant au jeu du couteau. Bah je vais essayer les jeux du couteau. Ça je m'en rappelle très bien. Et ouais, c'est compliqué quand même. C'est un petit peu compliqué parce que après faut être super réactif. Je sais plus ce qu'on gagne, je sais pas si on gagne quelque chose là-dedans, mais à voir. Bon allez, je vais mettre un petit 2 euros, hein. Un petit côté match. Alors, c'est A. En rythme, oh, ouf. Ah merde, d'accord. Ah, c'est chaud. Ah mais c'est chaud. Ah voilà, je remporte cette manche. Ok. Là ça va être encore plus dur. Là ça va être mélangé. Ça va faire... Ah bah non, ça va, c'est toujours du A. Si c'est du A, tant mieux. Parce que pendant un moment ça va être du A, Y, X. Ça va être très dur. Allez, en rythme. Yeah! J'ai gagné! J'ai gagné 2 dollars! Ah non, pas 2 dollars. Bah, 3 dollars! Ah, ça va être plus dur. Oh! A, B, A. D'accord. Ah, mais putain, mais c'est quoi cette foutue manette? Je vais la casser. Je remporte cette manche. A, B, A, B, A, B, A, B. Ça paraît dur, mais faut pas se mélanger. C'est juste qu'il faut pas se mélanger. Faut avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi et qu'on n'a pas le rythme dans la peau. Ah putain, mais je me déconcentre moi-même. Putain de merde, je dirais ça après. Yeah, man. Yes. Allez, je fais une petite dernière game.
Et après j'arrête parce que c'est trop facile pour moi. C'est trop facile pour moi. Bah ouais, c'est trop facile pour moi. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls, nuls, nuls. Nuls, bande de maïs, nuls. Bon, allez, un petit 10 et après j'arrête. A, B, Y, A, B. Attends, attends, c'est quoi? Je crois que c'est ça. A, B, Y, A, B, Y, A, B, Y, A, B, Y. J'ai pas trop compris. Ça va être plus dur, ça va être plus dur. Ah putain, c'est chaud. Putain, c'est trop dur. Merde. C'est trop dur. Ah putain, ouais, c'est bon. Nul, 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 John Marston, nul, nul, sale nul, nul, espèce de maïs, nul. Oula, c'est mais, oula, il est nul ce maïs là. Bonsoir à. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, tu veux te battre? Carrément, tu sors l'arme! Oula, oula, John Marston, il est nul! Bonsoir à tous, les amis! Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères. Vos grand-mères. Les Marston, qui aiment les Davidson, les amis! John Marston m'a fait perdre 10 dollars. Voilà, je suis ruiné. J'ai plus de sous. Faut que je casse un truc. Joannick! Nul, nul. Marre, marre. Non, c'est bon, j'arrête de faire mon mec. C'est nul. Ah, je viens de perdre 10 dollars. Ouais, en même temps, c'est compliqué le jeu du couteau. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais faut avoir le. En plus, je me suis embrouillé pendant mon. Le premier, ça va, c'est facile. Deuxième, ça va. Mais le troisième, c'est compliqué parce qu'il faut avoir le rythme, faut trouver. Et je crois que si je dis pas de conneries, c'est A, B, A, Y. Mais c'est chaud quand même. Faut pas stresser, faut rester calme, faut rester concentré. C'est compliqué. Voilà, je me suis ruiné moi-même. C'est con, je commençais bien et après, je partais mal. Bon, je referai un petit peu le jeu du couteau, voilà. Après, c'est le bon moyen de se faire de l'argent. Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands. So, yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. Ah le bâtard, pire que ton œil louche. C'est un entier. Ouais, respecte-le. Oh, respecte les gens qui louchent, toi. C'est un bâtard. Il a aucun respect. T'as aucun respect pour les gens qui louchent. Ah putain. I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Hammer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy.
I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Les boulards! Ce serait pas de la famille Bollard, ça? Les boulards? Everybody dismount and follow me. Ah oui. Le stade de... Le créateur du stade de Lens. De Lens. Bon, j'arrête mes blagues fouilles, c'est nul. Je sais, vous allez casser mes télés, vous allez... Enfin, vous allez casser vos télés, vous allez faire... Nul. Nul, Oxvenom. Nul, ta blague. Who do you think you are? Ah, il m'a vu, bien joué, celui qui m'a sauvé. J'adore les coéquipiers, je trouve. Ils nous aident beaucoup. C'est pas comme dans les autres jeux, ils. GTA, il nous aide. Et Red Dead Redemption aussi nous aide beaucoup. C'est ça que j'aime bien. C'est pas genre toujours le joueur qui contrôle. Qui fait tout, quoi. Ok, si tu veux, c'est toi qui chef, y'a pas de soucis. Où est-ce qu'il est, gars? Ah, j'ai vu. Follow me. Looks like that's all of them for now. Let's push forward to the bridges. For Christ's sake. This way. $10. Bah tiens, ça me fait rembourser les 10 dollars que j'avais perdu au jeu du couteau. Ah, ça fout la rage, ça. Putain, ils sont durs à aller voir les ennemis quand même hein, dans ce jeu. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Oh. Ah, j'étais maladroit. Je crois que je vais améliorer la sensi parce qu'elle est pas très. Je trouve pas super. Désolé pour ce petit dérangement. J'avais les réglés. Ouais, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. On est lundi. Bon jeu. Beaucoup plus fluide. Je sais pas si on peut régler la sensi durant la visée. Parce que c'est bien de régler la sensi, mais c'est un peu abusé, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Allez, hop, headshot. Oh. Aïe, hop. Don't think you'll be needing this. Ah, j'ai vu le gars. Ah, j'aime pas la sensible, la visée, c'est dégueulasse, c'est trop long. Du coup, ça fait que ça
y a pas de shoot au fait. Quand on joue avec la sensie basse, c'est horrible. Ça, moi j'arrive pas. J'ai pas de shoot quand on joue avec la sensi basse. C'est horrible. Allez, je vais prendre un petit peu de revolver là parce que là. Ils sont où là ces petits? C'est tout. Allez, vous cachez pas. Ah ouais. Allez hop. T'es où toi? Allez, une dans les couilles, une dans la tête. C'est fait. Ouais. Oui, j'ai trouvé. Eh, débrouille, débrouille. Toi, tu vas pas vivre longtemps, toi. Ah bah, j'ai plus de ralenti. Oh bah, il est encore là, lui. Voilà. Deux fois s'il le faut. Ok, je peux pas trop transporter beaucoup plus de munitions. Bon, ça, je trouve ça réel. Ne pas transporter beaucoup de munitions. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de transport, apparemment, on pourrait pas transporter plusieurs armes. On pourra en emporter. Bah, déjà, une arme d'épaule. Parce qu'on pourra pas emporter deux, trois, vous savez, comme dans GTA, voilà, le bordel, il peut prendre une sulfateuse, un fusil mitrailleur, un fusil d'assaut, une mitraillette, un lance-roquette, du coup, ça fait pas réel, quoi. Et encore, et pas qu'un, il en transporte plusieurs. Merde, comment on fait pour changer d'épaule? Enfin, d'angle, ah, voilà. Parce que, après, voilà, si c'est le cas... Si on peut vraiment pas transporter plusieurs armes, je trouve que ce serait mieux et plus réel. Dans le cul. Oh. C'est pas tout, mais on a combien de minutes? Ouh, 18 minutes! Ah, mais foutu manette! Je vais te t'anéantir, toi, la manette. Je sais pas s'il nous a vu. Enfin, ils nous ont vu. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est quoi cette manette? Ah, c'est horrible. Désolé pour ces... S'il y a trop de déconnexion, mais c'est horrible. C'est plus possible. C'est juste horrible. Voilà, c'est comme ça qu'on vise, gros. Die, friend!
Ah, j'ai pas touché dans la tête. Oh putain, mais c'est quoi cette manette? Sérieux, c'est chiant. C'est chiant. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Ah mais c'est pas vrai, attends, je crois que je vais mettre du scotch après, parce que là c'est pour contenir le bloc, vous savez, le cache pour remettre les piles. Je vais bien mettre du scotch bien fort, histoire que ça bouge pas, que ça se déconnecte moins, parce que là c'est... Ah c'est juste horrible, merde putain, j'ai effacé la cinématique sans faire exprès. Sauvegarde en cours. Apparemment ça s'est sauvegardé. Mais bon, je vais quitter là quand même. Bah voilà mes chers Mounigascu, la vidéo s'achève ici, tout en espérant qu'elle vous plaira. Et bah vous savez quoi, comme d'habitude, la recette, hein, je la répéter. Si vous avez aimé Pouzou de Mounigascu, commentez, abonnez-vous, partagez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez pas manquer des informations de ma part à propos de mon avenir, ma chaîne YouTube, les vidéos, enfin, bref, plein de trucs. Ça se passera ici et tout ça dans la description. Ok? Bah voilà, mes chers Mounigascu, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet. Mounigou.